Le drapeau est levé, les cavaliers s'approchent doucement du départ des 1000 mètres. Et ils sont partis, c'est les deux représentantes, trois représentantes de l'écurie Trangy qui ne veut rien laisser au hasard et qui, suivant les consignes de leur coach Rodrigue Desmoules, ont pris la tête, tandis que Hurricane de Chanteloup, monté par Roman, qui ne veut pas s'en laisser compter, se trouve en deuxième position. On a donc en tête deux poneys gris, représentantes du centre équestre de écurie de Trangy, pardon, en première position. Roman qui a bien calé sa ponette derrière et qui attend. Encouragez-les, on voit que la casaque bleu clair suit facilement. Les deux autres sont un petit peu plus en retard, mais vont faire une course d'équipe pour la quatrième place. Et connaissant bien l'hippodrome de Moulins, c'est Roman. Non, Roman a voulu prendre l'avantage, mais va-t-on assister à une victoire de la débutante de l'écurie de Trangy, où Roman, encouragé par ses supporters, va-t-elle revenir aux 200 mètres? On voit la ponette de tête qui prend casaque bleu, qui prend de longueur et qui va triompher dans cette épreuve. Très jolie deuxième place d'Hurricane de Chanteloup qui revient, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Jolie troisième, quatrième et cinquième place.